se rendre à son lieu de travail, un exercice quotidien de plus en plus difficile pour les travailleurs d'Abidjan. Franchement, c'est vraiment difficile les matins pour pouvoir se rendre au travail parce que, un, on n'a pas assez de véhicules sur nos gares pour nous permettre de pouvoir arriver à l'heure au travail. Et en plus de ça, il y a le fait que certains chauffeurs nous traitent mal. En plus de se réveiller chaque jour avant le lever du soleil, les travailleurs affrontent plusieurs autres réalités. Dans la capitale économique ivoirienne, ils doivent composer avec le nombre insuffisant des véhicules de transport en commun, les coûts élevés des titres de transport, mais aussi et surtout des embouteillages. Toutes les communes d'Abidjan ne vivent pas ces difficultés. À Koumassi, le constat est différent. Une organisation mise en place à la gare routière Yaya Fofana, la plus grande de cette partie d'Abidjan, permet de fluidifier le déplacement des populations. En ce moment, j'attends le véhicule pour me rendre au plateau. Je suis là il y a à peine 5 minutes. Le véhicule sera tardé. Ici, c'est encore plus mieux. Toutes les fois que je suis là, le véhicule ne tarde pas. Généralement, je viens trouver le véhicule sur place. Les 5 à 10 minutes qui suivent, le véhicule démarre. Le transport au niveau de Koumassi, au niveau de la gare Yaya Fofana, une fois qu'il est 5 heures du matin, les guichets sont déjà ouverts. Les passagers viennent et ils vont vers le guichet, prendre un ticket et ils vont vers le véhicule. Dès déjà 4h30, 5h moins, les véhicules sont déjà en place. Pour ceux qui vont au travail à partir de 6h, 5h déjà, les véhicules sont déjà en place. Donc quand le passager arrive, il va vers le guichet, il paye son ticket et il va directement monter dans le véhicule. Pour faire face aux soucis de mobilité, les autorités ont initié un projet d'une ligne de métro. Elle va permettre de relier en quelques minutes les communes d'Abobo à celles de Grand Bassam. Il est prévu également une ligne de bus transit rapide entre Yopougon et Benjerville.